Bonjour Sylvie, bonjour Florence, bonjour Christine. Bonjour Arlette, je vais bien, merci et vous. Bonjour Emeline, bonjour Sylvie. Bonjour Séverine, bonjour Marie-Claude, bonjour Sylviane, bonjour Henriette. Ça va bien, ma chienne va bien aussi. Bonjour Colette, de la Suisse. Ouais, ça va un peu mieux. Bon, je suis encore fatiguée, mais bon, ça va se passer, hein. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Sandrine. Bonjour Fabienne, bonjour Joël. S'il fait chaud, il fait très chaud. On ne peut rien faire dans la journée parce qu'il fait trop chaud. Bonjour Martine, bonjour Arlette. Bonjour Daniel. Oui, elle me paraît oui, assez légère et fraîche. C'est une, on est parti en Corse cette semaine. Alors comme vous avez pu le remarquer, d'après mes événements, bonjour Manon. Ou Marion, non Manon. D'après les événements que je vous ai postés, je fais un live. Bonjour Francine, bonjour Patricia. Je fais un live aujourd'hui, je fais un live demain, jeudi j'en fais pas, vendredi j'en fais, samedi j'en fais, dimanche, lundi j'en fais pas. Ça sera comme ça pendant tout juillet et août. Ça me permet de décrocher un petit peu aussi. Merci Bernadette, ça peut aller. Bonjour Françoise. Bon, on commence par 7. Ah, Nicole, tu es dans le sud, c'est bien. Ben oui, ce sont les vacances, oui. Comme c'est les vacances, je voudrais un peu avancer dans mon rangement, donc. Ben, j'ai surtout du rangement à faire dans mes tupperwares. Ben, pas que dans les tupperwares, mais bon. Je voudrais essayer d'aménager ma truc pour ma comment ça s'appelle? Mon garage pour les tupperwares. Mais le problème, c'est que il fait trop chaud, donc je peux faire ça que le soir. Mais bon, c'est pas grave. Donc, tout pendant, à partir d'aujourd'hui, toutes les semaines, ça sera mardi, mercredi, vendredi, samedi. Et si par hasard j'ai un enfant, un de mes enfants qui vient me voir le samedi, ben, j'annulerai samedi, je vous le ferai dimanche. Et si je suis courageuse, je vous mettrai des vidéos en prime les jours où je ne suis pas là. Voilà. Alors, aujourd'hui, on fait du fiadone au citron, à la mousseline, au fromage blanc. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est les fiadone, oh là, c'est du mal, au citron. Ah ouais, ça m'étonne pas qu'il fasse chaud. Moi aussi, je ne peux même pas sortir. Je peux même pas sortir tellement il fait chaud. Alors, on est en Corse. Donc, il y a peut-être des gens qui connaissent la Corse. Moi, j'ai déjà été une fois. C'est assez sympa comme région. Alors, le problème, c'est que pour faire des recettes corses, il faut trouver des choses corses. Normalement, dans la recette, il faut du bruccio. C'est-à-dire du fromage corse. Alors moi, j'ai été à Grandfray, j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ça. Voilà, c'est de la brousse artisanale de chèvre. Le vendeur m'a dit que c'était l'équivalent. Ouais, c'est magnifique la Corse. Ouais. Alors on va commencer. On fera qu'une partie de la recette aujourd'hui parce que
Il faut faire cuire quelque chose dans des gâteaux dans le moule à moelleux. Et au moment de présenter, il faut faire la mousse et monter la chantilly. Par cette chaleur, je ne vais pas monter ma chantilly aujourd'hui, sachant que les desserts sont pour demain. Donc je ferai cuire mes desserts, je vous les montrerai cuits. Et demain, quand je reviens faire mon live, en fin de live, je ferai la mousseline au fromage blanc. C'est une chantilly vanillée qui est mélangée à du fromage blanc, tout simplement. Et je vous montrerai comment la faire, hein. Mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce que la chantilly d'ici demain, elle aura. Hein, voilà. Alors, il vous faut. C'est une recette pour un moule à moelleux. Voilà. La recette, c'est pour le moule à moelleux. D'accord? Donc, il faut un citron jaune. On prend le 7-3 en 1, la petite râpe, et on va râper. On va râper le zeste. Ça se fait assez facilement. Alors, l'avantage avec ça, comme avec la petite râpe du Clic série 2, c'est que vous n'avez vraiment que le zeste. Évidemment, on passe son citron à l'eau avant, hein, logique. Bonjour Florence, ça va? Si ça veut bien faire comme ça, vous devriez voir mieux. Ah oui, c'est mieux, oui. Il n'y a pas photo. Si la tablette tombe pas, c'est bon. Donc j'ai zesté pratiquement tout mon citron. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose, hein. Donc, je vais secouer tout ça. Voilà, j'ai fait et beau zeste. Alors après, on va mettre dans le Speedy Chef. Dans Speedy Chef, on va mettre 3 œufs. Alors c'est des gros œufs, hein, c'est pas les œufs de mes poules. Donc je vais en mettre deux gros et un de poule. Un de mes poules. Mais mes poules, elles pondent pas, elles font des petits. J'ai un petit poussin depuis 2-3 jours. Elles sont comme ma chienne, elles ont décrété qu'elles feraient des petits. Alors après, on met, exceptionnellement, on va servir de la balance, on va mettre 90 grammes ou 80 millilitres, 90 millilitres de sucre. Bonjour Viviane. Ouais, alors le petit poussin, il est marrant parce que il a été couvé par trois poules et maintenant il suit ses trois poules. Ah bah oui, c'est embêtant, hein. Oui, la balance, c'est une Tupperware, oui. Alors, on monte. Alors, on va faire ce qu'on appelle un sabayon. C'est-à-dire qu'en fait, on va monter les jaunes avec le sucre pour que ça mousse.
voyais monter là. Vais mettre en vitesse rapide. Oui, je vais vous montrer la balance. Ça a triplé de volume. Bonjour Angélique, ça va bien? Voyez le mélange? Il a triplé de volume. Alors après, on rajoute. Va y arriver, on va y arriver. On rajoute le zeste du citron. Et on rajoute à ce moment-là l'abruzzo, c'est-à-dire le fromage corse. Alors, l'abruzzo, c'est du fromage frais de chèvre de Corse. Donc moi, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé de la brousse artisanale de chèvre. Et il faut mettre 120 grammes. J'en ai mis un tout petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer la balance tout de suite, hein. Je finis ma recette. Voilà, parce qu'elle est finie la recette. Je mélange. Rapide, hein? Donc j'avais mouillé déjà mon moule, mais bon, c'est tellement chaud qu'il sert, je sais pas. Attendez, j'enlève ça, hop, je reviens tout de suite. Une fois que j'ai fait mon mélange, c'est simple, hein? C'est des œufs, du sucre, zeste de citron et du fromage corse. Une fois que j'ai fait ça, je ne sais pas s'il faut remplir ou pas, donc j'ai essayé qu'il y en ait au moins 4. Voilà. Donc ça remplit 4 trucs à moelleux. Donc après, on met un thermostat 220 degrés pendant 15 minutes. Si vous avez dans vos tupperwares le pêle agrumes, vous vous servez du pêle agrumes. Si vous rentrez le pêle agrumes et qu'il est sec, c'est que c'est cuit. Donc ça, je vais le faire tout à l'heure quand il fera un peu moins chaud. Et après, il y a une préparation à faire. En fait, après, une fois qu'ils sont cuits, il faut les laisser refroidir. Et on les démoule après. Et après, il y a une préparation à faire dans le Speed Chef. Il faut monter. Bonjour Agnès. Non, il n'y a pas de farine. Les ingrédients, c'est un citron jaune, 3 œufs, 90 g de sucre, 120 g de fromage corse. Ça, c'est pour cette préparation-là. Après, pour la mousseline au fromage blanc, c'est 100,
C'est la crème chantilly qu'on fait avec 100 ml de crème liquide. Je sais pas, pour moi ça marche bien. 100 ml de crème liquide, on rajoute 100 grammes, 100 ml de, dans 50 grammes de sucre glace, de la vanille, et une fois que tout ça est bien monté, on incorpore 100 grammes de fromage blanc et on sert ça avec le dessert. Donc, je vais mettre ça dans la cuisine. Je pense que cette recette sert un genre de flan. L'image est en décalé. Ben chez moi, ça ne se voit pas. Alors peut-être qu'il y a un problème avec Internet. Je suis désolée. Alors la balance. Vous vouliez voir quoi? Vous voulez voir quoi? Alors cette balance-là, elle est au gramme près. Moi, je fais les envois de vos colis avec parce que ça me pèse vraiment comme du pas lourd au très très lourd. Ouais, mais je pense que c'est un problème internet, hein. Voilà la balance que vous vouliez voir. Elle marche avec deux piles. Et elle est très sensible. Si vous avez du courrier, alors par rapport à ma main. Allez, une main et demie. Et si vous avez du courrier, elle pèse les lettres. Alors, elle n'est pas en vente pour l'instant, mais quand elle sera en vente, je vous dirai. Peut-être qu'elle va être en vente dans les promotions. Vous savez qu'on a toutes les semaines. Cette semaine, vous avez eu la promotion. Oui, dans le catalogue, je sais. Mais bon, en même temps, le catalogue, il change tous les 6 mois. Donc, ils enlèvent des choses, ils remettent d'autres choses. Donc, voilà quoi. Donc je vous disais, cette semaine vous avez en promotion le kit du sommelier, c'est-à-dire le tire-bouchon avec ce qui enlève les goulots, vous savez le truc du goulot là, et l'anti-goutte que vous mettez sur une bouteille, ça vous évite que la bouteille goutte sans arrêt quand vous versez, je veux dire. Il est bien soldé, hein, il a moins 25 euros. Puis il est très bien. Est-ce que vous savez vous servir du tire-bouchon? Est-ce que vous savez comment il est?
Alors, je reviens. Je l'ai car j'avais cassé celui que j'avais. Oui. Donc moi, je vous montre. Alors, je vous montre le truc anti-goutte. Moi, j'ai pas l'ensemble. Le tour anti-goutte, il est comme ça. Donc, je pense qu'il s'adapte sur toutes les bouteilles. Regardez, il s'adapte, il s'adapte sur toutes les bouteilles. Hein. Ça, c'est l'anti-goutte. Ça, c'est le tire-bouchon, mais dans le kit sommelier, il est gris. Et ce tire-bouchon, il est génial, parce que même moi qui sais pas ouvrir des bouteilles, j'arrive. Vous mettez au-dessus, vous tournez tout le temps. Et quand vous êtes... et à la fin, vous avez votre bouchon qui remonte tout seul. Vous tournez toujours dans le même sens. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et il y a l'autre capsule aussi. C'est la même forme que ça, mais gris. Ça, je ne l'ai pas. Vous mettez sur la capsule, vous savez, le truc en espèce de ferraille plastique qu'il y a au-dessus des bouteilles. Comment dire, vous mettez sur la bouteille, vous tournez, ça vous enlève ce truc-là, comme ça vous avez accès directement au bouchon. Et c'est présenté dans une boîte, ça fait très joli pour pour les cadeaux. C'est pour ça que je vous ai mis, pensez à vos cadeaux, parce que c'est souvent vendu à Noël, mais au prix fort. C'est-à-dire qu'au prix que vous avez... Ouais. Pensez à... là, il est à moins 25 euros. Il n'est pas très cher. Voilà, il coupe la capsule proprement. Voilà, c'est ça. Donc, pensez, si vous êtes intéressé éventuellement, si vous avez des cadeaux à faire... Pensez même à Noël, hein, on est à 6 mois de Noël, mais bon, il faut mieux l'acheter avec moins 25 euros aujourd'hui qu'avec plus 25 euros au moment de Noël. Voilà. Donc, ça, c'est la promo de la semaine, c'est jusqu'à dimanche, hein, ok? Sinon, pour en revenir à mon gâteau, donc je vais le faire cuire. Je vous montrerai une fois cuit comment il sera. Je vous ferai une photo. Et demain, après mon live... Ben après la fin de mon live, je vous montrerai pour faire la mousse. Parce que comme il faut monter une chantilly, j'ai peur que ma chantilly elle tourne d'ici demain. Ok? Alors comme d'habitude, je vous mets les ingrédients dans la barre d'infos. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et dès que la balance est en vente, je vous le dis. D'accord? À demain. Bisous, bisous à tout le monde.